Bonjour. Une petite revue Chine pour vous servir, ça vous va? Ma petite YouTube World, avant que nous passions à la séquence découverte, tu sais, je fais découverte puis essayage, petit point transparence. Alors, j'ai un peu la voix de Gérard Darmon parce que il est très tôt, ça fait pas longtemps que je suis réveillée, mais comme les travaux battent toujours leur plein devant chez moi, j'essaie de vous prendre un moment où c'est le mieux pour vous et pour moi au demeurant. Les pièces que je vais vous présenter dans cette vidéo me sont envoyées gratuitement. Il n'y a aucune rémunération perçue de la part du site Shein et tous les liens des articles que je vais vous présenter dans cette vidéo ne sont absolument pas affiliés. Ceci étant dit, j'ai un code promo que je vous remets ici qui vous permet d'avoir moins 15% des 29€ d'achat et moins 20% des 69€ d'achat. Maintenant, on tergiverse plus, on y va, découverte. Premier article, je les prends vraiment aléatoirement, donc je sais exactement ce que c'est. Il s'agit... si vous voulez, j'ai un peu tout misé sur les tenues estivales. Alors même si là, à la minute où je filme ça, le temps ne permet pas du tout de porter ça. À commencer par ce que je mets quasiment tout l'été, c'est-à-dire de la robe longue. Hop, essayez de mettre ça correctement. La robe bleue de ma fille, je vais me reculer. La robe bleue de ma fille m'a beaucoup inspirée, dans sa dernière sélection. Alors, je ne vous cache pas, après avoir porté, que j'ai une première déception sur, vous verrez par rapport à la photo, sur ce qu'elle donne à la photo et sur ce que me renvoie cette robe. Je voyais les couleurs beaucoup plus intenses et je crains que cette robe soit légèrement transparente. De toute façon, pour les essayages, je vais mettre ce qu'il faut en dessous. Je suis très mitigée quant à cette robe. Ouais, le décolleté est très joli. On a le sous-poitrine qui fait un lien lassage en sous-poitrine. Écoutez, à voir à l'essayage. En tout cas, au niveau des couleurs, je l'ai trouvé plus joli sur, en photo sur le site. Deuxième paquet. Je me rappelle plus très bien. Il y a du motif. Je me rappelle plus très bien. Bref, on est là pour découvrir, donc découvrons. Il se pourrait que ce soit une robe parce que j'ai quand même pas mal axé sur les robes. Ouais, c'est une robe. Oh, elle est sympathique celle-là. On a des petits points à jouer. On a le détail de la fleur. Est-ce qu'on a une doublure? Oui. Alors ça, c'est chouette. Alors ça, c'est chouette parce qu'on a une doublure. Elle va pas jusqu'en bas de la robe, mais j'ai presque envie de dire qu'elle protège l'essentiel. L'arrière, on a un dos légèrement élastiqué. Le sous-poitrine est élastiqué avec une bordure devant pour faire... pour faire un petit peu la séparation. Écoutez, j'aime beaucoup cette robe que je trouve très, très légère et très, très bien pour cet été. J'aime beaucoup. Après, à voir ce qu'elle donne portée, bien évidemment. Alors, suivant, je crois savoir. Alors, attention, pour cette pièce-là, je crois savoir, je suis même sûre, j'ai eu un énorme coup de cœur. Mais quand je vous parle d'un énorme coup de cœur sur site, vraiment un énorme coup de cœur où je me suis dit, il me faut cette robe. Déjà, on a... Oh, elle est super. On a une doublure. Attends, hop, que je n'abîme pas. On a une doublure. Ah, elle est superbe. Elle est blanche. Déjà, pour le confort, tout est élastiqué au niveau du dos. On a une dentelle légèrement extensible au niveau des manches. On a un décolleté comme ça, avec des détails de boutons qui, pour une fois, ne font pas du tout cheap. On a tout un travail en espèce de dentelle. Je la trouve superbe. J'ai eu un gros coup de cœur sur le site et je crois véritablement qu'elle va être le coup de cœur de cette commande. Blanc comme ça. Je la trouve vraiment très 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 belle. Autant le devant que l'arrière du vêtement. Ces manches là, tout en dentelle comme ça, en semi-transparence, je la trouve vraiment très très jolie. Ah ouais, j'ai le même coup de cœur par rapport quand je l'ai vue sur le site en photo. Et là, en vrai, j'ai exactement le même coup de cœur. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est mon... C'est mon haut Stay in Alive. Enfin, mon haut. Ma robe. Par contre, je pense qu'avec un... Je pense qu'avec un legging court, la robe va être trop longue.
et ça va pas faire très très chouette. Et comme on va sortir de la saison du collant, je ne suis pas très sûre. Au niveau du sequin, ça brille. Ça brille, c'est une robe argentée. Ma foi, coupe droite, hein. On n'est pas. Il y a une doublure, elle est totalement doublée. Maintenant, je la pensais un peu plus courte. Mais c'est vrai que les mannequins étant beaucoup plus grands que moi, les mannequins des photos sur Chine étant beaucoup plus grands que moi, bon, écoutez, à voir. Hein. Bah là, sur cette pièce, je suis vraiment pas sûre du tout. Alors, pour ce paquet, on est sur une robe aussi. On est sur du noir et blanc avec un dos élastiqué pour du confort. C'est toujours ça qui me fait un peu peur. Une découpe comme ça sous poitrine. Des manches ballon, un petit peu ballon élastiqué au bout et écoutez, plus ample, voilà, une robe d'été, ma foi, tout à fait lambda. J'aime bien cette découpe, alors à condition que moi, la poitrine prenne bien la... Tu vois, elle se mette bien en place dans l'emplacement prévu à cet effet. À voir, mais j'aime beaucoup. Pour l'article suivant, je le vois de là, je sais exactement ce que c'est. Sur le site, elle est portée comme une robe. Plutôt courte, donc avoir déjà pour moi la longueur. J'adore, c'est sa couleur. J'adore sa couleur. Et alors, ce que j'ai peur, ça fasse un petit peu chemise de nuit. Pourtant, les détails sont plutôt jolis. On a un détail au niveau du col comme ça. Hop, les manches élastiquées, un peu, un tout petit peu effet ballon. À voir. En tout cas, le tissu est plutôt sympathique. La couleur est très jolie. Maintenant, à voir si on tourne pas très vite en tenue de nuit. Oh, ça, ce serait bien un pantalon. Un pantalon léger pour l'été, un peu style palazzo. Est-ce que j'aime la matière? J'ai un doute. Est-ce que c'est ça que j'ai commandé? J'ai l'impression d'avoir commandé un peu un... J'ai l'impression que ça va être hyper grand. J'étais convaincue d'avoir commandé un palazzo, mais là, j'ai l'impression que ça va être hyper grand, en fait. Quelle taille j'ai pris? 4XL. Mais là, j'ai un petit doute, quoi, en fait. Ça va faire un petit peu effet. J'ai fait mes besoins dans mon pantalon, quoi. On a quand même une entrejambe qui est énorme. Donc, c'est ce qui me fait un peu peur. Écoutez, à voir à l'essayage. Mais là, j'ai un gros, gros doute. Mais ouais, c'est ça. Je l'avais pris, normalement, de souvenir pour aller avec... Il me semble que c'est une blouse, hein. Pour aller avec cette blouse, avec ce détail où on a des épaules aux deux tiers dénudées. Je trouve sympathique maintenant à voir porter, parce que ce haut me semble court, donc est-ce qu'il va cacher ce que j'ai envie que ça cache? Pour le moment, je ne sais pas. Mais en tout cas, comme ça, j'aime bien le motif. Ah, on a les pantacours. Pantacours en jean, bien évidemment. Hop, j'ai pris un premier... pantacourt en jean, comme ça, un peu en bleu clair. Sur celui-ci, on a la finition qui est effilochée. En bas, il n'y a pas d'ourlet ou quoi que ce soit. Après, il n'y a rien qui t'empêche d'en faire un. Évidemment, 4XL, on a une élasticité qui va apporter un beau confort. Fermeture, zip et pas des boutons. Oh, bah ça, écoutez, je pense que ça, c'est une petite valeur sûre. J'ai envie de vous mettre un deuxième. Mais cette fois en brut, celui-là, il est élastiqué derrière. Ah, d'accord. Alors, c'est un jean sans être un jean. J'aime un peu moins, là, du fait. Parce que, comme vous pouvez le constater, il n'y a rien. Il n'y a pas de fermeture, ça s'enfile. Avoir l'essayage, en tout cas, voilà, la matière, on sent qu'il va y avoir un confort. J'ai juste pas fait attention qu'il n'y avait pas... En fait, ça s'enfilait, que c'était plus un... Comment vous appelez ça? Un jegging, il me semble, hein, qu'un jean en lui-même. Écoutez, ça devrait faire l'affaire pour cet été, je pense. Hein. Pour mettre avec l'un de ces jeans ou ces deux jeans, j'ai voulu essayer les t-shirts de chez Shein pour voir... Oh, j'adore. Parce que la matière, elle m'a l'air hyper souple. Déjà, elle est longue et ça, j'aime plutôt. Qui va cacher ce que j'ai envie que ça cache. Et je crois l'avoir vu en plusieurs coloris.
Donc ça, c'est bon à savoir. Pour l'été, comme je vous le disais, un col V comme ça, moi, j'aime particulièrement. Là, il vous fait orange, hein, mais je vous assure qu'il est bien, bien rouge. Hein. Je vous ai mis un peu de lumière là-haut. Je ne sais pas si ça change grand-chose. Pour la tenue suivante, je vois aussi très bien ce que c'est. C'est un ensemble. Alors, je vous avoue, il sera vraiment pas dit que je vais sortir dehors avec. Mais c'est, tu sais, le truc que tu mets, t'es chez toi, t'as pas l'intention de sortir, mais c'est histoire de pas rester en pyjama, on sait jamais, quelqu'un vient sonner ou quoi aux caisses. Donc on est sur un bas legging noir tout à fait normal, le basique de chez Basique, et en haut un t-shirt rayé. Oh bah dis, c'est-à-dire que je vais être à l'aise là-dedans, hein. Voilà, un t-shirt rayé immense, pourtant je crois l'avoir pris en 4XL. Hop, est-ce que j'ai une taille quelque part? Je crois l'avoir pris en 4XL. C'est 3XL. 3XL, alors sauf si vous aimez porter loose, mais très très grand. Et pour terminer, je me suis pris une paire de chaussures d'été. J'ai repris celle-là parce que l'an dernier j'avais pris la même, alors presque la même. J'avais pris le même style en noir et je trouvais qu'il y avait un confort. Et celle-là, pour info, c'est spécial pied large. Donc je vais tester ça. Celle de l'an dernier, elle ne l'était pas. Je l'ai pris, je crois, en taille 39, Europe 39. Et je vais vous dire ce que j'en pense, si c'est confort ou si à un moment donné, ça va pas le faire. On ouvre le bal avec la première robe bleue. Très sincèrement, je vous le dis, je ne suis pas du tout convaincue. Je ne suis pas du tout convaincue par cette robe. Pourquoi? Vous, ça, c'est pas flagrant à l'œil nu, mais moi je sens qu'à tout moment elle peut glisser et tomber. Alors au niveau du lassage, c'est joli. Alors c'est du lassage fantaisie, hein, ça ne vous servira pas à resserrer. Mais je sais pas, je suis dubitatif sur cette robe. Même la matière, je... Écoutez, attendez. Je sais pas, par rapport aux autres que j'ai là, je sais pas tellement quoi en penser. Je sais pas. C'est une robe qui actuellement coûte 20,49€ et qui est disponible en plusieurs coloris. Je sais pas. Là, je suis incapable de vous dire. Je verrai au retour essayage ce que je vois dans l'écran. Mais je suis incapable de vous dire si je la garde. Là, légèrement défroissée. J'adore la matière, le tissu qui ressemble à s'y tromper à du coton. Voilà, j'adore le tissu. Elle est doublée, donc zéro risque de se retrouver avec une visibilité sur le fenu à l'air. J'aime les petits motifs comme ça, fleurs. Pour le détail intéressant, c'est qu'ici, voyez-vous, bon, à se détendre un petit peu quand même, mais c'est totalement réglable selon sa poitrine. En termes de poitrine, ça tombe pile poil ici, là où il faut, très très bien dans l'emplacement prévu à cet effet. Si vous avez pied large, faites-vous plaisir. Je ne vous cache pas que pour moi, elles sont un peu larges, mais au moins je suis très à l'aise. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup cette tenue. Étonnamment, c'était pas le coup de cœur sur toute la sélection, mais il se pourrait qu'elle en devienne un coup de cœur. Elle coûte 22,12€, disponible en plusieurs coloris au niveau des motifs, je crois, et je l'ai prise en 4XL pour information. Celle-là, je garde, hein, assurément. Saviez comme j'aime cette robe. C'est le coup de cœur que j'ai eu en la voyant sur le site, mais je crois que c'est le coup de cœur tout court.
J'aime le détail des manches comme ça, un peu ample et en dentelle ajourée comme ça. J'aime le décolleté que je trouve vraiment très très beau. La poitrine passe bien, se place bien, je trouve. Tout ce détail de dentelle, la doublure, je trouve qu'au niveau du tombé, du poids, on est très bien. C'est vraiment une très 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 jolie robe. Vraiment, je me sens très très bien dedans. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Cette robe est normalement à 36 euros. Sachez qu'actuellement, elle est à 27,37 euros. Et elle est en tendance, quoi qu'il en soit. Et je l'ai pris, moi, en 4XL pour ma part. Oh, j'adore. Vraiment, je suis très, très fan. Je vais bien avec mon décor en plus. Hein, vraiment, je suis fan. J'adore. Que j'aime beaucoup aussi, comme vous pouvez le constater. Par contre, il y a un petit peu de populace au balcon. Bon, j'avais la crainte que l'empiècement prévu pour la poitrine, tu sais, où ça passe en dessous, enfin ça se cale pas bien, ça s'est calé vraiment très très bien. Le sous-poitrine est bien sous la poitrine. Bon, écoutez, il y a de la superficie à l'air. Vous savez que je suis très pudique et que c'est un peu compliqué. Bon, on voit rien si ce n'est le bon. Eh, ça va aller. Mais c'est l'été. Hein. En même temps, je ne vais pas marcher au col roulé et compagnie. Donc, j'aime beaucoup cette pièce. Elle est très légère. 21,99€ cette robe qui est elle aussi actuellement en tendance. Disponible en plusieurs coloris. Et moi, je l'ai pris en 4XL. Voilà. C'est que le pantalon est sacrément trop grand, hein. C'est-à-dire qu'au moindre truc, ça glisse. Le haut, je pensais que je le voyais très court et finalement, il tombe très très bien le haut. On a les manches volantées avec donc cette ouverture sur les épaules, un col V. Elle tombe pile poil en dessous de là où je souhaitais qu'elle tombe. Maintenant, le vrai problème, je m'encule, hein, le vrai problème, c'est vraiment le pantalon. Au niveau de l'entrejambe, c'est pas possible, quoi. Pour info, la blouse coûte actuellement 9,99€ et le pantalon coûte 16,99€. Avec des petites baskets fines. Attends, hop. Au demeurant, on est très bien dans ces sabates, hein. Je reviens, je vais faire un essayage. Qu'est-ce que t'en penses, le raccord? Qu'est-ce que t'en penses de la petite basket? Au demeurant, basket que j'ai eu aussi chez Shein à 10 balles. Alors le t-shirt, je vais être très clair, je viens d'en mettre 4 dans mon panier. Un gris parce qu'il y a plein de coloris proposés, gris, rose vif, un vert un peu vert d'eau et un blanc. Voilà, je trouve juste dommage qu'il n'y en ait pas en noir parce que ça va se trouver. Mais alors celui-là, le confort, ça descend bien comme je souhaite que ça descende. Et le jean, 20,99€, le pantacourt en jean, celui sans fermeture, sans bouton, c'est très très confort.
mes petits cadets. J'ai autant d'aisance, celui-là c'est celui avec le bouton et le zip, la fermeture éclair. J'ai autant d'aisance, je me sens très très bien dans les deux par rapport à l'extensibilité du tissu. Je me sens vraiment très très bien dans les deux. Et sa petite tenue comme ça, très très à l'aise, très bien. Ah, le t-shirt, c'est un coup de cœur parce que je m'étais dit, j'avais un peu peur du... Tu sais, des matières qui vont très vite te faire puer et tout. Et là, je suis très agréablement surprise par la longueur du t-shirt, par le confort, par le fait que la manche soit assez longue pour cacher un peu ce qui me complexe moi au niveau de mes bras. Je suis très contente. Et le jean là, qui est à 19,99€, que j'ai pris également en 4XL, très très bien. Que pour cette tenue, j'ai bien fait quand même de la prendre en 3XL parce que, comme vous pouvez le constater, je suis plutôt très à l'aise dedans. Ça fait pour moi et selon moi très tenue pyjama. Donc effectivement, une tenue qui ne va pour ma part me servir que pour rester à la maison ou éventuellement aller chercher le pain à 200 mètres. Mais ça va s'arrêter là. Pourquoi ? J'ai un premier problème parce que le legging glisse beaucoup. Je trouve que la rayure horizontale, bah forcément, qui dit rayure horizontale dit élargissement déjà quand t'es bien loti de ce côté-là, mais ça reste une tenue d'intérieur qui est très confortable. Le t-shirt est grand, large, long, c'est très très confort, donc oui. Pour une tenue détente intérieure, très très bien. Je valide cette tenue qui est à 20,49€. Alors je le répète, prenez une taille peut-être en dessous de la vôtre si vous voulez, vous voulez pas que ce soit trop trop grand, mais pour rester à la maison, il n'y a aucun souci. Je ne sais pas quoi vous dire. Si ce n'est que je vais vous présenter cette robe avec le legging. Je vais peut-être enlever les savates parce que là, la robe à sequin et les savates. On ne sait pas en fait. Elle se porte comme ça. Normalement, c'est un tombé épaule comme ça sur le côté. Elle se porte comme ça. Forcément, tu as la bretelle du soutien-gorge. Mais bon, porter... c'est joli, ça fait très Claudette, mais maintenant, est-ce que pour l'heure, j'assume ce truc-là, sans leggings, sans rien? Pas du tout. Maintenant, je vais être tout à fait sincère, j'aime beaucoup ce type de truc, paillettes, sequins, tout ça, mais je crois que pour l'instant, j'assume pas du tout avec le corps que j'ai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder cette robe, je vais la remiser... Et peut-être qu'un jour je vous la ferai péter ou je me sentirai à l'aise dedans, mais là pour l'heure c'est pas le cas. J'aime beaucoup, j'aime bien cet effet paillette, brillant comme ça, festif, mais là je veux pas vous faire de la prose, de la poésie, j'assume pas. C'est une robe que j'ai pris en 4XL et qui vaut 19,54€. Ça scintille de 1000 euros. J'ai chaud parce que j'essaye que tu essayes. J'ai fait à nouveau péter le legging que j'ai essayé de mettre court, mais je crois que j'ai pas encore fait le switch moi hiver-été parce que on n'a pas des températures qui permettent, mais j'ai des leggings courts comme ça. Et je crois très honnêtement que pour ma part et pour l'heure, je serais plus à l'aise cette robe. Puis je trouve que finalement d'un coup ça fait moins pyjama. Je serais plus à l'aise portée avec un legging court. Alors on sait les leggings, oui, les leggings, machin. Mais il faut aussi faire en sorte de se sentir bien. Donc on fait ce qu'on peut surtout. Non, je dis ça parce que je sais qu'à partir du moment que tu dis je vais mettre un legging, oui, mais le legging, ceci, cela. Moi, je vais vous dire une chose, on fait un peu ce qu'on peut comme on peut, hein, et surtout on fait ce qu'on veut. Au-delà du reste, on fait ce qu'on veut. Tu n'aimes pas le legging, bon bah n'en porte pas, mais si moi par exemple, là sur cette tenue, je vous cache pas que ça m'apporte une aisance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais quand même pas mettre un collant en pack en plein été, donc ça m'apporte une aisance. Après, peut-être que dans quelques mois, l'an prochain, je serai moins complexée et que je pourrai porter un peu plus court. Pour l'instant,
Bon, hein, déjà, cet essayage chiite n'était pas donné, compte tenu un petit peu de mon... de mes difficultés en ce moment avec retour écran. Des suites et fins de cette revue Chine. Alors globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Il y a quelques flops. La robe bleue du début, je reste encore en le temps que j'ai pas vu mes essayages. Je vous mettrai une annotation, est-ce que finalement je la garde ou pas. De toute façon, s'il y a des changements par rapport à ce qui a été dit au moment où je tourne, je vous mettrai les petites annotations en bas. Mais globalement, une fois encore, je suis très satisfaite. J'ai un énorme coup de cœur pour la robe toute blanche en espèce de crochet dentelle. J'ai des coups de cœur là où je pensais pas en avoir. Le t-shirt rouge, la tenue t-shirt et pantacourt jean. Je suis plutôt assez fan. Les chaussures qui coûtent 14,99€, les savates, très très confort. En tout cas, le temps que je fasse, que je tourne cette vidéo, très très confort. Globalement, je suis plutôt satisfaite. Il y a des déceptions, comme le pantalon noir où je trouve que c'est pas du tout raccord avec la photo présentée sur le site. Je vous l'ai dit, la robe bleue où je suis, ma foi, très mitigée. La robe à sequins argenté que j'aime beaucoup, mais que là, dans un premier temps, je me sens pas encore capable de porter. Mais c'est bien, c'est un peu des vêtements comme ça que tu vas laver, plier, mettre de côté. Peut-être qu'un jour, si vous me voyez déambuler dans du sequin argenté, vous vous direz « Ah, elle avance la Jenny, elle avance !» Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Et des bisous, et peut-être, je dis bien peut-être, à vendredi. Des bisous.